Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans 52 minutes pour comprendre votre magazine d'enquête. Ce soir, nous vous proposons une immersion inédite dans le quotidien de quatre femmes qui exercent des professions habituellement réservées aux hommes. Elles font montre de compétences, d'ingéniosité, de détermination et elles veulent faire changer les mentalités. En Côte d'Ivoire, sur 26 millions d'habitants, près de 50% sont des femmes et 70% d'entre elles exerceraient une activité professionnelle. Cependant, des traditions, des croyances, certains clichés et la non-application de conventions librement signées par la Côte d'Ivoire freineraient la meilleure prise en compte de ces femmes et de la femme dans les cercles de décision. Alors, comment la Côte d'Ivoire valorise-t-elle la femme? Quel rôle joue la femme sur le plan civique, civil, politique, économique? Quel regard la société porte-t-elle sur ces femmes qui exercent des métiers atypiques? Mesdames, Messieurs, 52 minutes pour comprendre ces femmes qui bousculent les codes professionnels, qui bousculent les clichés professionnels dans notre société. Un reportage réalisé par les équipes de Soprod. En Côte d'Ivoire, sur 26 millions d'habitants, près de 50% sont des femmes. 70% d'entre elles exerceraient une activité professionnelle. Mais si elles sont de plus en plus nombreuses à tenter de diversifier leur parcours, l'éventail de métiers accessibles demeure fermé pour la majorité d'entre elles. Croyances, éducation, culture, un véritable plafond de verre semble planer au-dessus de leur tête. Alors comment certaines d'entre elles arrivent à s'en sortir dans des métiers dits d'hommes ? Nous allons vous faire découvrir le quotidien de quatre femmes courageuses, passionnées par leur métier et surtout déterminées à faire changer les mentalités. État-major. État-major, courant de se présente. Djenebou est sergent-chef au sein du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire depuis 9 ans. Son quotidien, sauver des vies en luttant contre les feux, comme ce jour à Abobo. Doucement ici. Tout ferme. Seules 48 femmes sur 1000 sapeurs-pompiers sont de sexe féminin. Alors les collègues de Djenebou, bien qu'habitués à elles, restent encore persuadés que les femmes ne peuvent pas tout faire. Et vous ne dites pas que c'est trop difficile? Non, c'est le courage. Et est-ce que c'est facile de travailler avec une femme? On est habitué en fait. On est habitué. Au début c'était un peu difficile, mais maintenant qu'elles sont venues, on a commencé à avoir l'habitude. Et puis on s'est habitué à ça. Qu'est-ce qui était difficile? Bon, au début c'était comment les femmes vont pouvoir travailler avec nous comme des garçons. Comme nous on est des braves garçons, on ne sait pas si elles allaient nous appeler. Mais donc, ça commence à aller. Et puis on voit que ça peut aller. Et puis ça va aller. Mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver après. Ça, c'est normal, parce que c'est un deux sexes différents. Ça, c'est normal. Le machisme a encore de beaux jours devant lui en Côte d'Ivoire. Maman, bonjour. On peut monter pour voir avec ce qu'on voit là. On va monter pour voir. Moi, je ne suis pas à l'étage. Non, il y a le courant. Il y a le propriétaire là. Moi, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un dedans. Elle demande si elle peut monter pour voir. On va monter pour faire une reconnaissance en haut. Venez. S'il vous plaît. Pépé, je vais monter pour faire une reconnaissance. Avec ce qu'on voit, avec ce qu'on voit par les fenêtres. Voilà, ok. D'accord. Le feu est maîtrisé. Djenebou fait une dernière inspection. Donc c'est comme ça ici seulement, le balcon? Non, la machine. Le feu est arrivé? Oui. D'accord, on peut voir, on peut constater les dégâts. Venez. D'accord. Excusez, hein. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ah, il y a votre climatiseur qui est touché. On a fermé les fenêtres. C'est ça. Les vitres, ce sont... Voilà. Hein? Mais pourquoi vous n'avez pas sauté le compteur? Il faut qu'on saute le voilà, compteur. Voilà. Ok, donc sautez le disjoncteur. Et puis il faut ouvrir les fenêtres. Et à quoi répond ce constat que vous faites? Bon, ce constat est tellement très important parce que souvent... On peut aller, après avoir éteint le feu, on est là-bas, on nous appelle pour dire non, le feu est monté au premier, au deuxième, au troisième. Voilà, donc quand on vient pour éteindre un feu, il faut forcément voir aux alentours, pour voir ce qu'il y a, ce qui ne va pas.
Donc c'est pourquoi nous sommes montés. Dieu merci, la police est avec nous. Donc on fait le constat ensemble. Mais il m'aide à usage d'habitation. Mais c'est vrai que je sais ça s'est passé. Et puis tu vois, il y a un côté qui est atteint là-dedans. C'est quoi l'origine de ce feu? Avec ce qu'on voit, on peut dire que c'est un court-circuit suivi de feu. Et dans ce cas, est-ce qu'il y a des risques de réembras? Oui, souvent il y a des risques de propagation. Souvent il y a des risques de propagation, mais Dieu merci, le feu n'est pas arrivé à côté. On a pu éteindre aussi le feu à moyen d'une petite lance, comme vous l'avez constaté, à l'appui d'un engin porteur d'eau. Mais pourquoi il y a eu un deuxième camion qui est venu en bas? Bon, il faut forcément ça, parce qu'on ne sait jamais. Avec ce genre de feu, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Donc, il faut forcément un engin. Voilà, au cas où, s'il y a un risque de propagation, on a un deuxième engin qui est là. Et quand on est arrivé, que vous avez vu le feu, et quelle a été votre réaction? Bon, je me suis dit, ce feu-là, je dois tout faire pour éteindre ce feu. C'est à ça que j'ai pensé. Vous n'avez pas pensé en tant que... Non, ce n'est pas ma première fois. Ce n'est pas ma première fois, donc il n'y a rien. Il faut être courageuse, c'est tout. Avec le courage, tout peut marcher. Les femmes occupent encore aujourd'hui majoritairement des emplois informels dans le secteur de l'agriculture et de la restauration. Et sur 7,5 millions de personnes en âge de travailler en Côte d'Ivoire, plus de 40% des hommes sont salariés, contre seulement 24% des femmes. Quartier d'Adjamé, Liberté. L'univers des transports routiers est essentiellement masculin. Alors quand un baka est conduit par une femme, cela attire l'attention. Nadège Gwegué est chauffeur depuis 2 ans. Elle fait la ligne Adjamé Yopougon. Ouais, vous le faites. Voilà, Bobaye. Dis tout, c'est qui t'arrange? Ouais. Ouais, y'a pas la guitare. Elle est là, non? On est ensemble. Y'a toujours un monde pour vous là. Ouais, ouais. Oui, ça concerne la monnaie. Et comment eux vous voient? Ils aiment mon travail. Ils m'apprécient, ils aiment mon courage. Et mais ils aiment ça aussi. Et comment ils vous appellent le plus souvent? Bon, y'a toi, tu me respectes dans le thème, m'appelle Oma. Oma est là, Jean il me taquine, voilà, par le respect. Et vous, comment vous sentez? Je me sens à l'aise, très content, et puis je suis fière d'être dans ce domaine, dans ce métier. J'adore ça. Nadège est la seule femme chauffeur de baka sur cette ligne. En 2019, elle a arrêté les études en classe de 4e pour se consacrer à sa passion. Oui, demandez les arrêts, pardon. Et ça fait combien de temps que vous conduisez? Bon, c'est en 2019 que je suis rentrée dans le transport. Voilà, c'est un de mes petits qui me dit « Ah maman, tu roules bien et puis tu sors comme genre le style garçon. Tu ne vas pas rentrer dans le domaine aussi comme nous aussi. » Parce que lui aussi c'est un chauffeur. Mais il ne me voyait pas en train de faire ce genre de boulot là. Il voyait que c'était un peu dur. Voilà, par son courage, voilà, il m'a motivé un peu. Plus. De là, il m'a dit « Ah, tu as déjà ton permis, tu roules bien. » Ah, il roule, mais il ne sait pas comment ça se passe avec les apprentis là. Donc moi, je suis passé à la danse, à la casserole aussi, pour voir comment se prendre aussi. Donc j'ai fait un peu la potier. Donc, en fin de ça, maintenant, j'ai commencé à aimer le métier. Transport. Mère de 2 enfants, Nadège est une femme déterminée. Chauffeur titulaire, elle a pour salaire fixe 100 000 francs CFA par mois et travaille 10 heures par jour. Qu'est-ce que pensent vos parents du métier que vous faites? Non. Et même là, sur ce côté-là, ils ne sont pas pleins, puisque de physique, de nature, je fais tout ce qui est travail d'homme, donc là. Et même m'encourager. On a les encouragements. Ils m'encouragent dans ça, ce qu'ils font, mais d'aller doucement, d'aller moulo. Pas faire comme les garçons, voilà. D'aller doucement. Il y a des clients souvent qui sont étonnés de voir que c'est. Oui, ils sont étonnés, souvent il y a d'autres qui sont étonnés, à d'autres qui m'encouragent, à d'autres même là. C'est étonnant de voir une femme au volant d'un bagage. C'est pas tout le monde qui fait ça. À d'autres filles là, elles ne se voient pas en train de faire ces gens de boulot d'hommes. Vous voyez en femme ou en garçon? Ils me voient en femme, tout en femme. Ils me voient en femme. Ils font le travail des garçons, mais ils me voient en femme.
J'ai fait deux enfants déjà. Deux enfants. Ça vous étonne? Ça me peine. Hein? Alors, prends le pas, prends le pas. Un jour, là, j'ai vu une port. Fille qui a eu son permis, elle dit bon, il va rouler au bagage. Mais comment? Et c'est la première nouvelle que je vois. Ah ouais. Et vous, en tant que doyen, qu'est-ce que ça vous fait de vous faire conduire par une moi, femme? Moi, ça me fait plaisir parce que c'est des signes, c'est des nouveautés. Ça veut dire, dans notre ancien temps, ça ne se faisait pas. Mais maintenant, on voit les femmes nous conduire, on voit les femmes députées, on voit les femmes mères. Mais avant, c'est les garçons qui géraient. Et puis ça nous épuisait aussi. Il faut nourrir la femme, il faut nourrir les enfants, payer maison. Mais maintenant là, la femme peut venir à ton secours, hein? Vrai ou non? Oui, c'est ça. Voilà. Je trouve que la Côte d'Ivoire évolue un peu. Le secteur du transport informel est souvent confronté à la violence. Nadège choisit dans ce cas de faire profil bas pour éviter les confrontations. D'abord, viens, prends liberté là. Prends liberté là. Ouais, Pas te distraire, pas te concentrer. C'est que c'est un métier où souvent il y a des accouchements. Ça vous arrive de faire des palabres avec les... Non, tout sauf ça. Mais quand il y a les palabres, j'essaie de me maîtriser un peu. Physique de l'homme et la femme, c'est pas la même chose. Dans ce domaine-là, ils mettent toujours avec eux, son temps, on va doucement. Si je suis parmi les hommes, je suis la seule fille qui est parmi ces jeunes hommes du métier. Sur la route, Nadège croise une autre femme du secteur. Elle est apprentie Baka. Dans le mouvement, il faut parler. Tiens, moi, c'est rien. C'est votre collègue? Oui, c'est ma collègue de travail. Et puis, c'est ma petite aussi. Ma petite aussi, ouais. C'est une fille, elle est battante, ouais. Ça fait combien de temps que vous avez commencé? Ça fait au moins 5 mois, on s'en a 6 mois comme ça. Et ça se passe bien? Mais pourquoi tu es venu à ce métier? Qu'est-ce que t'as pris à l'étude? Allez, c'est un peu de travail, tout ça. Aline est gênée, et surtout elle est attendue par son chauffeur, qui l'appelle à coups de klaxon. Venez aller. Comment ça a commencé? En plus, c'est mon grand frère qui m'a mis dans ça. Est-ce que vous devenez Mais je travaille avec elle parce que ça me donne déjà tellement mal à entendre que vous ne travaillez pas ça. Sinon, c'est avec elle que je travaille. Habillées comme des garçons, ces femmes font tout pour se fondre dans la masse, s'adapter à leur secteur de travail et éviter les problèmes. À toi, durée, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas peur que le métier vous déforme? Non, ça ne peut pas me déformer. Tout sauf ça ne va pas me déformer. C'est quoi votre ambition? Mon ambition? C'est le plus. C'est un rêve pour moi, quoi. D'avancer dans la vie, quoi. Vous avez dit quoi? Rouler dans les grandes compagnies aussi. Voilà. Ça me fait plaisir aussi dans les grandes compagnies. C'est mon rêve, quoi. Tenir le volant de ces mini-cars n'est pas chose facile. De plus en plus de femmes bravent les préjugés misogynes et autres stéréotypes. Abobo Bokabo, Geneviève, 36 ans et mère de 2 enfants. Son mari est chauffeur de taxi et à la maison, chaque matin, c'est la même chose. C'est mon mari qui est là. Et ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça fait 6 ans ensemble. Il a toujours su le travail qu'il fait? Oui, il sait. Est-ce qu'il vous a soutenu? Non, il me soutient, mais par rapport au foyer, je m'occupais de lui. Il me soutient quand même. Il fait avec. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du travail que vous faites?
Oui, vraiment, bon. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de sous-métier là, donc, je leur donne beaucoup de courage. C'est le travail. Si je refuse, je ne vais pas leur donner le travail. Donc on est obligé de faire comme ça. Donc si vous avez la possibilité de lui donner un autre travail, vous n'aurez pas accepté qu'elle fasse ce travail? Non. Mais où y avoir ce travail? Avant de partir au travail, c'est la course. Geneviève travaille sur des chantiers. Elle est staffeuse, c'est-à-dire que c'est une ouvrière plâtrière spécialisée dans le moulage et la pose d'ouvrages décoratifs en plâtre. Alors sa tenue de travail, c'est jean, basket et polo de sport. Gigi ! Ça va ? Ça va. On y va. On arrive. Je vous remercie. Et c'est en état un peu. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va aller, c'est bien si on est ensemble. Combien de temps que vous travaillez? Bon, depuis 2015, par là, hein. 2015, on travaille ensemble. C'est la seule femme dans votre groupe? Non, j'avais plusieurs femmes. J'avais plusieurs femmes, mais je peux dire, bon, au fur et à mesure, les autres se cherchent, s'en vont ailleurs. Bon, elle est restée fidèle. Qu'est-ce que ça vous fait de travailler avec une femme dans ce genre de métier? En tout cas, ça me fait beaucoup plaisir. Parce que, bon, généralement, les femmes se disent que non, sans les métiers d'hommes, elles n'aiment pas faire ça. Mais elle a pris son courage à deux bras. Et elle a accepté de travailler, de faire un travail d'homme. Et on le fait bien. Geneviève est passionnée par son métier. Et grâce à sa ténacité, elle a gagné le respect des hommes du milieu. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du plâtre. C'est ce qu'on prend pour formuler les panneaux. C'est la matière du staff. Et lui, c'est filasse. C'est ce qui me tient. Le plâtre. Mais où est-ce que vous avez appris tout ça? Bon, j'ai appris ça sur un chantier. Grâce à un ami. Bon, en tout cas, je lui dis merci chaque jour. Qui est venu un jour me chercher. Et il m'a dit, allons, tu vas m'aider. En arrivant sur le terrain, il m'a dit, puise l'eau. Il a dit, c'est vrai. Il dit, tu dois puiser l'eau seulement. Non. Il dit, moi c'est quelqu'un, il ressemble à quelqu'un qui puise l'eau. Et il dit, bon, montre-moi comment faire, je vais faire. Puis, il m'a monté une fois, deuxième fois, c'est parti. Donc, le même jour, j'ai appris à faire le raccord, tout. Et c'est parti. Et il me disait, non, c'est pas un métier de femme. Il ne faut pas soulever les trucs. Il dit, il faut laisser faire. Il a fait un peu. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, je m'en sors. Et c'est de ce métier-là. Mes enfants vivent. Ma famille vit aussi. Vous avez combien? Bon, on me paye par les pièces. C'est-à-dire une pièce coûte 200. Donc, si j'ai fait 25, ça me fait 5 000. Donc, vous comprenez pourquoi souvent je sors. Je dis, il faut que forcer. Je gagne 6 000, 7 000. Et si tu viens que tu as eu 3 000, tu as déjà payé le transport. Transport, tu vois, à peu près 2500. C'est qu'il vaut mieux qu'il faut rester à la maison. Donc, c'est après, il vient, je me donne. Je donne mon transport, puis de manger, puis ma journée. Geneviève gagne entre 150 et 200 000 francs CFA par mois. Une somme conséquente qui lui permet de partager les charges du foyer avec son mari de façon équitable. Après, ton moulin, tout ça, c'est pour nous voler un peu. Là, qu'est-ce que c'est? Bon, je suis en train d'arriver. Les motifs là dans le moule, ça c'est une baguette et ça c'est son moule. Par rapport à ça, on récupère plusieurs motifs pour pouvoir travailler. Mais pourquoi vous avez choisi ce métier? Ce métier vraiment, en tout début, moi-même je suis quelqu'un que j'aime là, donc ça fait partie de là. Donc c'est ce qui fait que j'aime ce métier. Puis ça rapporte donc. Sinon, il a fait plusieurs métiers, la couture, aide soignante. Mais qu'est-ce qui est arrivé sur ce métier-là? En tout cas, il ne demande plus de l'argent à quelqu'un. Avec ses convictions fortes et sa volonté d'être indépendante, Geneviève exerce depuis 8 ans ce métier, sans complexe, aux côtés de 4 hommes. Elle a gagné le respect de chacun d'entre eux grâce à son travail. Et ce que pensent les autres femmes d'elle lui passe au-dessus. J'aime ça, bro! Tout le monde est là! Femme! C'est vrai que tu me dis,
patron, il n'aime pas que c'est ça qui est son problème. Et tu as tout ça, il a joué pour la réunion. Ça pour les ça, tu fais ça. Ça, il était ici, moi, il vient sur ton château pour payer. Il a travaillé, il est plus mal, il a les pieds, il doit la boutique encore. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que vos amis se voient? Oui, 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 oui. Ça m'aime beaucoup de fois. Surtout même des femmes. Il y a des femmes que j'ai croisées. Tellement vieilles, elles ont commencé à rire d'une manière. Les gens me voient en quelqu'un qui est sale, quoi. Donc, Baka ici monté, il partait acheter du plat. J'étais pressée, puis je me suis ici resté en tenue de travail pour partir. Pousse comme ça, il ne faut pas la toucher. Et ma chérie, c'est ça là qui me nourrit. Ils sont complexes que vous le faites? Oui, 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 ils sont complexes. Ah, je suis relâche partout. Parce que j'ai envisagé, mon rêve, c'est de devenir une grande dame dans ce pays grâce à mon métier. Grâce à mon métier, je veux devenir une grande dame entrepreneur dans ce pays-là. Pourquoi pas aussi dans le monde entier, mais grâce à ce métier d'homme-là. Donc, je m'accroche, je m'accroche. C'est ce qu'un jour Dieu va faire. Ça va passer. Sur les chantiers, ceux qui la découvrent ne cachent pas leur surprise. Comme cet électricien. C'est quoi, on te met là-bas, tu peux pas faire. Mais c'est pas mon métier. Non, c'est pas mon métier, mais c'est pas mon métier. Mon métier, moi, c'est ça. C'est pas mon métier. Mon métier, c'est bricoler. Voilà. Ah, le temps de bricoler, au moins, il bricole pas. C'est la même chose, j'avais pas un métier à connaître. C'est pas la même chose. T'es électricien, hein. Moi, mais il y a rien. Mon ventateur, c'est gars, il y a rien. Je sais pas ce qu'il y a rien, mais il y a rien, puis ça prend. Ton ventateur, c'est gars. Oui. Même contact, là. Quand ça fait mal, ça, il démonte. Et puis, il met les fils, là, dans la boîte, là. Il essaie. Ça s'allume. Non? Où est la différence? C'est dangereux. Mais toi, tu ne peux pas faire pour moi là. C'est dangereux. Hein? Ah, bon, c'est comme ça. C'est ici, le cerveau. C'est bizarre pour vous de voir une femme travailler, de faire monsieur les garçons. Bah, sincèrement, c'est bizarre, mais elle m'étonne au fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare qu'on voit une fille faire ce travail-là. C'est très rare. Et comment vous trouvez cela? En tout cas, moi, c'est tout ça magnifique, sincèrement. Vous n'avez pas de préjugés là-dessus? Bah, ben, non. Parce qu'il me dit que c'est ce qu'elle a choisi. Mais c'est un métier vraiment réservé aux hommes. Ouais, c'est réservé aux hommes. Mais aujourd'hui, on voit les filles qui sont mécaniciens, les filles qui sont peut-être électriciens, et les filles peintes. Si aujourd'hui les filles rentrent dans ce métier-là, moi, sincèrement, ça me fait plaisir. Je les encourage au fait. Si certaines femmes arrivent aujourd'hui à s'intégrer dans des milieux professionnels destinés majoritairement aux hommes, la disparité des salaires donne le vertige. Les hommes gagnent en moyenne plus de 120 000 francs CFA par mois, contre environ 56 000 francs CFA pour les femmes. Et 41,7% des femmes actives ont un salaire inférieur au SMIG. Port autonome d'Abidjan. Isabelle, mère de 5 enfants, est commandant de la police portuaire depuis 9 ans. Elle a en charge la délivrance des titres d'accès et la sûreté sur le périmètre portuaire. 28 personnes sont sous son autorité directe. Les cartes, les gratuités, Tour Corporation, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Et l'Institut des jeunes? Oui, parfait. C'est bon. Et chose à Phyto? Phyto, nous avons reçu les cartes. Je suis sur le macaron du fait du réseau qui est rétabli. Je suis en train de les produire. Ok, d'accord. Il okay. Y a un petit souci? Ça va. Ça va? Tout se passe bien? Oui. Ok, d'accord. Okay. Vous d'accord. Avez beaucoup de collaborateurs? Oui, je vous ai dit que j'ai 28 collaborateurs. Hein. En ma charge propre, j'ai 28. Et en collaboration, j'ai plus de 500 collaborateurs. Et comment ça se passe avec eux? Ça se passe bien. Le chef, ce n'est pas forcément quelqu'un qui toujours donne des instructions. Il faut chaque fois accompagner en fait, l'agent. Il faut être toujours là, à son écoute. C'est un peu ça, le bon chef. Et j'ai une bonne collaboration. Bon, ils sont mieux placés pour vous expliquer. Les rapports dans ma Non, j'ai jamais eu de problème avec mes collaborateurs. Parce que de la manière ils me respectent, moi je leur porte aussi ce respect. Le respect, il est mutuel. Parce que c'est pas parce que je suis chef que je vais écraser un élément. Non. De la manière, le respect est mutuel. Dès l'instant, le respect est mutuel, je pense que la collaboration, ça passe complètement bien. Et c'est vrai ce qu'elle dit? Oui, ce que le commandant dit, c'est vrai.
Nous, sincèrement, on la prend comme... bon, c'est notre maman à nous tous. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose, même... C'est-à-dire, elle ne fait pas de différence. Si aujourd'hui, j'ai un souci, du cadre même du travail, elle s'ingère même dans ma vie. Pardon, si j'ai mon fils qui est malade, commandant, mon fils, mais c'est comme si c'est ton fils qui était vraiment malade. Donc, sincèrement, elle est bien avec nous. On se demande ce que vous aurez pu dire aux choses puisque le commandant est en face. Non. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais vous dire. C'est comme ça. Est-ce que c'est mieux d'avoir un chef homme ou femme? Il n'y a pas de différence. Bon, pour moi, il n'y a pas de différence. Ça dépend comment le chef il vous prend. Il peut être homme et puis ne pas collaborer avec ces éléments. Elle peut être femme aussi et s'attendre avec ces éléments. Première femme à occuper ce poste, chaque matin, elle commence sa journée par l'inspection des accès au port. Et rien ne lui échappe. Pourquoi la barrière n'est pas fermée? J'étais en train d'entrer dans la barrière. Le tourniquet est très rapide. Il est défaillant? Bon, très rapide. Très rapide. Donc, la portée passe là. Il est rapide? Est-ce qu'il est rapide? Le tourniquet. Mais normalement, il devait être rapide. Allô? Alors, normalement il marche, non? Mais pourquoi est-ce que l'individu n'est pas rentré là, il est rentré là? En fait, comme il est passé, il y avait un véhicule. Non. Parce que si jamais il y a un accident qui se passe, vous voyez, c'est vous qui allez avoir des problèmes. N'est-ce pas? Ça, c'est dédié pour les véhicules et ça, c'est pour les piétons. Donc, n'autorisez pas les personnes à accéder par cette voie-là. Ok? C'est bon? Ok. Merci. Ok, merci. Ce sont des constats comme ça que vous faites au quotidien? Oui, au quotidien, ce sont des constats qu'on fait et on essaie de sensibiliser tout ça. Il n'y a pas de solution? Bon, on n'est pas à l'heure de la sanction, en fait. Il ne faut pas toujours sanctionner. Il faut sensibiliser. C'est lorsque peut-être c'est une infraction vraiment avérée qu'on peut sanctionner. Là, le monsieur, bon, on ne va pas sanctionner parce qu'il faut sanctionner. La sécurité de ce lieu hautement stratégique n'est pas à prendre à la légère. Ferme et douce à la fois, Isabelle passe ses journées à sensibiliser le personnel qu'elle croise lors de ses inspections. Bonjour. Qui est sur Adiaké? Ok, d'accord. On va aller sur le plan d'eau pour faire une petite vérification, pour une petite patrouille là. Donc si vous pouvez disposer pour qu'on puisse faire. Elle travaille 8 heures par jour, mais impossible de connaître son salaire. Elle nous a toutefois précisé que son salaire serait identique à celui d'un homme au même poste. La zone ouest, hein, aller vers le quai fruitier, et puis après on revient. On va au niveau du canal et on va longer Abidjan Terminal et revenir ici. C'est bon? Et quel est votre parcours pour devenir commandant? Présentement, je suis officier de port. Et pour être officier de port, il faut remplir certaines conditions. La condition, il faut être capitaine au long cours. Et d'autres conditions submet la priorité, il faut être capitaine au long cours. Et pour devenir capitaine au long cours, il faut être titulaire d'un bac scientifique. Et j'ai obtenu un bac D. Je suis rentré à l'Académie des sciences, à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, la RSTM. En 2007, le port autonome a lancé un concours et comme je remplissais les conditions, donc j'ai postulé et j'ai été reçu. J'ai réussi avec brio mon concours et je suis rentrée dans le corps des officiers. Vous avez déjà eu affaire à des baptistes qui refusent l'autorité des femmes? Oh oui, j'ai été confrontée à ça. Et comment vous avez géré ça? Très tôt, à la limite, très tôt. Je leur ai montré que c'était moi qui suis là. C'est moi qui suis le commandant et allez, j'ai eu un cas même. Et ça, tu n'as pas besoin de montrer les muscles.
maintenant. J'ai le bic rouge. Ça suffit largement. Capitaine, quand vous entendez ça, le bic rouge et tout, vous dites, est-ce que c'est normal qu'une femme puisse vous jeter avec un bic rouge? Mais c'est normal. C'est normal parce que dans tout corps de métier, quelque part, vous allez trouver une femme à un poste quelconque. En dessous d'elle, il y aura des célibataires. Donc c'est normal qu'avec le bic rouge, elle puisse imposer son autorité. Mais dans d'autres sociétés africaines, c'est difficilement acceptable. Et puis, vous pourrez vous dire, vous pourrez vous dire, mais c'est, elle pourrait être ma femme. On a souvent des réactions où on dit, les femmes comme ça, j'en ai beaucoup à la maison. Oui, je pense que par le passé, les gens raisonnaient de cette façon. Mais de nos jours, les mentalités ont changé. Parce que les gens, ils sont partis à l'école, ils ont fréquenté avec des femmes. Donc quand tu te retrouves à ton entreprise avec une femme au-dessus de toi, déjà tu es habitué. Avant, les écoles, je veux dire, il y avait école pour hommes, école pour femmes. Maintenant, il y a les écoles mixtes. Donc il y a longtemps que l'homme côtoie la femme dans cette histoire de formation dans le domaine professionnel. Il a aussi dit que les femmes aiment gérer les trucs avec leur humeur et leurs sensations. Alors que l'homme est plus posé. Non, c'est des préjugés. C'est des préjugés. Les femmes, en général, elles sont plus rigoureuses. En général, elles sont plus rigoureuses. Pour réaliser son rêve, Isabelle a dû relever de multiples défis. Est-ce qu'il y avait un challenge personnel que vous pouvez régler ? Oui, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de femmes, en fait, on se disait non, c'est un métier. Même à l'école, on se disait non, c'est un métier d'homme. Toi, tu ne vas pas pouvoir le faire, tout ça. Donc, je voulais montrer aux yeux des gens que je pouvais le faire. Et là, vous êtes fière de vous ? Ah, mais bien sûr, je suis très fière de moi-même. Parce que j'ai montré aux yeux des gens que n'importe qui peut faire ce boulot. Il n'y a pas de catégorisation de métier ? Non. Moi, à mon niveau, non. Lorsque vous voyez dans une corporation, s'il n'y a pas de femme, c'est parce qu'une femme ne s'est pas encore intéressée. C'est tout. C'est comme ça que moi je réfléchis. Il y a des métiers quand même physiques, pour les femmes de travail. Oh, métier physique, mais il y a des femmes qui sont physiquement bien bâties. Quand une femme qui est physiquement bien bâtie, mais elle peut faire ce boulot-là, si ça nécessite les muscles. Faire preuve d'audace et de détermination, sortir des clichés et ne rien s'interdire. Tout comme Isabelle, quelques femmes osent se lancer et se confronter à des milieux masculins sans aucun complexe. Retour à la caserne de l'Indaigné. Nous retrouvons Djenebou. Elle se prépare pour une autre intervention. Il y a une intervention, donc on descend rapidement. On est déjà là. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Bon, nous avons sonné pour une DS, hein, accident de circulation. À Djabu et boulevard Nangui à Brogua, face 3e arrondissement. Donc, votre équipe et vous devez souvent. On va allonger. L'équipe dispose de 3 minutes maximum pour démarrer. Direction le forum d'Adjamé, où une jeune fille vient d'être renversée par une moto. Vas-y, elle te dit, tout là-bas. Il y a un numéro du Boroké. C'est quoi le plus difficile dans ce genre de cas? Le plus difficile, c'est les badauds. Voilà, parce que les badauds, ils viennent entourer la victime. Entends, c'est pas bon. Quand c'est comme ça, la victime, elle se sent étouffée. Donc, quand on vient, on essaie de dégager les badauds. On va vers la victime pour voir l'état de la victime. Parce que l'état de conscience, ça, c'est la première des choses. Pour voir si la victime est inconsciente ou consciente. Direction le centre hospitalier universitaire de Cocody pour transférer la victime. Le cas, il est grave? Non, pas trop grave. Déjà, la victime est consciente, c'est déjà bon. Voilà. Vous faites combien d'interventions dans la vie? Bon, je peux faire 9 à 10, hein, ça dépend. Je peux faire 9 à 10. Bon, remarquez, vous êtes la seule femme dans toute l'équipe. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon. Bon, avec mes collègues, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, je suis déjà habituée à ça, donc pas grand-chose. Hein. Après avoir déposé la victime, Djenebou regagne sa caserne. Les pompiers sont souvent confrontés à des situations délicates sur le terrain. Alors parfois,
Jenny Poucrac. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation ou une intervention qui vous a marqué? Oui. Ouais. C'était quoi? Bon, c'était un accident, hein. C'était un accident de circulation. J'ai envoyé la victime au chute de Cocody. Bon, la victime est décédée dans ma main. Bon, il fallait rentrer en contact avec les médecins. Après ça, ils m'ont donné un papier. J'ai déposé la victime à la morgue. Quand je suis rentrée de l'intervention, vraiment, j'étais abattue, j'étais découragée. Mais après, je me suis dit, passe à la solution. Voilà. J'ai vu un collègue, je lui ai expliqué. Il m'a remonté le moral et puis bon, après j'ai oublié, puisque je suis toujours dans le métier. Donc j'ai oublié. Ça vous arrive de pleurer? Ah, souvent, bon, je peux dire, j'ai une fois pleuré, hein. Je n'ai pas menti, j'ai une fois pleuré. Voilà, parce qu'il y a un petit garçon aussi qui est décédé dans ma main, donc ce jour-là, vraiment, j'ai pleuré toute la journée. Et là, ce n'est pas votre côté femme qui avait pris le dessus, sur le côté militaire? Bon, là, je ne sais pas, hein, mais vraiment, ce jour-là, j'ai pleuré parce que je me suis sentie, je ne sais pas, mais j'ai pleuré parce que j'ai vu comme si c'était mon propre enfant. Donc, vraiment, ce jour, ça m'a touchée. Je me suis vue. Bon, je me suis mis dans la peau d'une mère. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce qui a provoqué. En tout cas, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Mais après, c'est passé, quoi. Mère de deux enfants, Djenebou gagne 200 000 francs CFA par mois. Et comme tous les pompiers, elle enchaîne 48 heures d'affilée sans rentrer chez elle, puis bénéficie de 2 jours de repos. À Yopougon, Nadège finit son service. La fin de journée, c'est le moment où les chauffeurs échangent entre eux sur leur quotidien, leurs difficultés et leur vision de la société. J'aimerais que ma femme reste à la maison, tranquille, je rentre. Bon, ta femme, elle se débrouille. Qu'elle peut t'aider dans des trucs. Mais pour dire non, venir faire le travail que toi tu fais, elle fait toi aussi dans moi, en tout cas. Moi, en tout cas, moi, ça me fait pas. Truc, son commerce, il n'y a pas de soucis. Dans l'argent, tu fais un point de commerce tranquille pour elle. Elle rentre, elle sort. Tu vois, non, c'est tranquille. Quoi. Quand tu viens trouver ta femme à la maison devant toi, elle t'attend. Elle est bras ouverts, son cœur. C'est-à-dire, ton cœur est tranquille, quoi. Elle te respecte. Tu vois, non, c'est bon, quoi. Au fur et à mesure que toi, tu rentres, ta femme au travail. À chaque fois, tu rentres. Comment il n'y a rien, tu es souvent même tu es un peu énervé, tu es énervé même. Voilà, quand c'est comme ça, c'est pas joli à voir. Nadège, qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils sont en train de dire? Non, bon, il y a mes petits traits au milieu, sinon ce qu'il dit c'est pas mauvais. Bon, compte tenu de ce qu'il pense selon sa femme, là bon, ce côté, c'est pourquoi il dit ça. Parce que dans le demain nous sommes, dans le demain le transport, c'est pas facile. Et tant même là, tu restes au volant d'un véhicule, prendre le nombre de personnes, c'est pas facile. C'est la vie des gens aussi. Donc, c'est pourquoi il dit ça. S'il dit n'importe quoi, non, sa femme fait ce demain, et c'est pourquoi. Peut-être en fonction de ça, il peut assurer son demain, son dit, on ne sait pas. Non. Si vous, votre mari décide de vous donner tous les moyens, vous allez arriver. Tout à fait. Si tout ce qu'il demande, c'est normal. Tout ce qu'il demande, s'il reçoit à mes souvenirs, à mes besoins. Je vais arrêter. Qu'est-ce qu'une femme ne doit pas faire comme ça? Qu'est-ce que vous, votre femme, ne doit pas faire? Moi, ma femme, c'est ce que j'ai dit. Moi, ma femme, genre le travail du. Moi, j'aimerais que ma femme reste à la maison. Si j'ai l'argent, il dit bien, si j'ai l'argent, il fait un coin de commerce, elle reste là-bas. Voilà. Plus tard, d'ici moi, je vais quitter au travail. Je vais la trouver à la maison. Mais pour dire, moi, je quitte au travail, je ne vais pas la trouver à la maison. Soit c'est moi, je rentre devant elle chaque jour. Moi, en tout cas, moi, ça ne me plaît pas. Ouais, j'aimerais pas dire trouver ma femme chez moi, quoi. Elle a mis tout en place. Parce que quand tu es enfant, quand tu es enfant et quelqu'un, c'est la femme qui dit que l'enfant, même si tu as l'argent, je dis, le bon n'a plus rien fait. Non, parler. Mais c'est la femme qui indique l'enfant. Elle est au travail, toi, tu es au travail. Qui va indiquer l'enfant? Il fait ce qu'il veut. Donc, quand tu es ta femme, normalement, elle doit rester à la maison. Plus tard, elle va vendre. S'ils vont dire 15h, 14h, elle doit être à la maison pour s'équiper des travaux de la maison, les enfants. Au gré de nos rencontres et de notre enquête, nombreux sont les hommes qui nous ont confié leur incompréhension
face à ces femmes qui exercent des métiers occupés majoritairement par des hommes. L'égalité homme-femme n'est pas encore d'actualité en Côte d'Ivoire. Toutefois, Nadège reste confiante. Est-ce que vous encouragerez des jeunes filles ivoiriennes? Oui, j'encourage mes soeurs à faire comme moi aussi, ne pas baisser les bras. Ne pas compter aussi ces garçons aussi. Des femmes battantes aussi. Femmes courageuses, voilà. Elles encouragent à être dans le domaine comme moi aussi. Faire comme moi. Nous retrouvons Djenebou. Après 48 heures de travail et plus d'une dizaine d'interventions, elle peut enfin rentrer chez elle. Une occasion pour cette mère exténuée de profiter un peu de sa famille. Bonjour. Bonjour. Et la grâce. Merci beaucoup. Ça va? Ça va. Ça va. Le travail, ça a été. C'est très bien passé par la grâce. Bonne année. Merci beaucoup. Et ici? Ouais, ça va, les noms là. Les enfants. Ouais, tout le monde c'est bon. Dieu merci. Je suis arrivée aussi. Ah, ok. Bien installé. Ok, merci. Je suis là. Belle heure du Paris. Ok. Vous êtes combien à la maison ici? Non, nous sommes 5 à la maison. Et mes 2 enfants, mon chéri plus mon petit frère. Et vos enfants sont où? La première qui est là, la vieille, en second, Ben. Est-ce que tu sais ce que maman fait? Oui, je sais. Elle fait quoi? Elle est pompier militaire. Ça fait qu'elle n'est jamais là, non? Bon, 2 fois. Et comment tu te sens quand maman n'est pas là? Bon, je me sens un peu à l'aise puisqu'elle va sauver des vies. Donc, tu comprends le métier de mon frère? Oui, je comprends. Tu ne trouves pas que c'est difficile? Non, non. Tu ne penses pas que c'est les hommes qui devraient faire ça? Non. Pourquoi? Mais quand elle va, tu n'as pas peur que quelque chose lui arrive, elle va aller dans le feu? Tu n'as pas peur. Si, souvent, il y a des pensées, mais ça va. Vous avez la chance que vos enfants comprennent bien le travail que vous faites? Oui. Ouais. Je suis très fière de mes enfants. Ils n'ont pas de soucis avec mon travail. Le contraire, ce sont eux-mêmes qui m'encouragent. Il y a des jours, je n'aime pas le courage d'aller au travail. Surtout le garçon me dit, maman, il faut aller travailler. Nous, on est là. Dieu va veiller sur nous. Donc, quand il me dit ça souvent, bon, je suis obligée, je me lève, je sors et puis je vais. Ces moments de retrouvailles sont importants pour Djenebou. Elle met ce temps à profit pour renforcer les liens avec ses enfants. Maman, toi, tu t'assois avec ton tonton. Ben, toi, viens t'asseoir ici. Et là, c'est la mère de famille ou c'est le sergent Djenebou? Non, ici, c'est la mère de famille, bien sûr. C'est pas le sergent-chef Djenebou, hein, c'est la mère de famille. Voilà, je suis avec mes enfants. Mais ce genre de moment, c'est important pour vous? Très, très important. Très, très important. Après 48 heures de service, rentrer à la maison, partager un repas avec la petite famille, c'est très important. Djenebou, comme beaucoup de femmes aujourd'hui, allie vie de famille et travail. Mais la Côte d'Ivoire figure toujours en bas de l'échelle en termes de parité. Selon la Banque africaine de développement, en 2017, elle était encore à la 43e place sur 52 pays africains. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi 52 minutes pour comprendre, consacré à ces femmes qui exercent des métiers présentés comme réservés aux hommes. Même si le dispositif légal national est de plus en plus sensible à la question du genre, des efforts restent à faire pour que le pays adapte son dispositif légal à ses engagements internationaux. Pour revoir l'émission de ce soir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI, son site internet www.rti.ci ou la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un autre numéro de 52 minutes pour comprendre votre magazine d'enquête. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes. Bonne soirée à tous.